c'était un peu qu'ils ont pas arrêté. Ah, hein, bah ouais, il s'est fait arrêter un peu bêtement, il aurait dû courir beaucoup plus rapidement. Alors, et les journalistes molestés par des volants ici, derrière. Faire l'œuf parce que ça pourrait charger à tout instant. Ça n'a pas l'air d'être simple. La situation qui se retend depuis quelques instants. Merci Laura.
Attends. Chut, je suis en action. Grenade. Ça peut arriver de n'importe où, on est des cibles prises au hasard pour... Ah, non, vous allez voir ici.
mais pour manifestations policières, pour moins de manifestants. Ça montre que des fois, on peut travailler passer une attention. Et pour pas faire un pick-up, pour être courageux pour son avenir. Vas-y, répète. Merci Choupi, merci Nora, Séverine, Angèle et Emeline, je crois. Emeline, merci à tous. Et Annie aussi pour vos dons. Merci beaucoup. Ouais, il y a encore pas mal de monde sur la place de la République, alors ça se disperse quand même tout doucement ici. Si vous nous rejoignez, vous voyez que les forces de l'ordre procèdent à la dispersion, mais non sans tension ni heurts. Plusieurs interpellations qu'on a eues ces dernières minutes, des gaz lacrymogènes, quelques tirs de LBD également. Si vous rejoignez sur Brut, on est sur la place de la République cet après-midi. Pas de chiffres à vous donner pour l'instant sur la mobilisation à Paris, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y avait pas mal de monde. Hein. Ce cortège était assez important, alors pas aussi important que jeudi dernier, où c'était une très grosse journée de mobilisation. Celle de samedi s'annonçait plutôt comme étant complémentaire. L'idée, c'était aussi de pouvoir faire mobiliser le secteur privé, qui jusque maintenant est beaucoup moins mobilisé dans cette grève et dans ces mobilisations. Le fait de faire cette manifestation un samedi, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui souhaiteraient manifester contre la réforme des retraites issues du privé, de pouvoir être présents dans ce cortège. Alors on en a vu, c'est difficile à dire s'il y en avait énormément, parce que c'est pas inscrit sur la tête des personnes, mais en tout cas, ce que l'on sait ici, c'est que c'était un peu l'idée aussi de cette manifestation aujourd'hui. Et puis l'idée d'avoir deux manifestations coup pour continuer d'appuyer sur le gouvernement. Le gouvernement qui a répondu aux organisations syndicales aujourd'hui, on rappelle avec justement ces rendez-vous. Il y a eu deux rendez-vous, un mardi et un vendredi. Et à l'instant, ils ont répondu favorablement, hein, quelque part, aux demandes de la CFDT. Les demandes de la CFDT qui étaient le retrait de l'âge pivot et une conférence sur le financement de l'âge des retraites. Enfin, sur le financement des retraites, pardon. Et c'est un retrait qui n'est que provisoire de l'âge pivot, qui pourra être mis en place éventuellement. Et puis, autre point important à signaler, c'est que les manifestants qu'on a pu rencontrer ici, eux, continuent d'être dans l'optique de se mobiliser malgré ces annonces du gouvernement. Parce que pour eux, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent, eux, le retrait pur et simple de cette réforme. Et tous ceux qu'on a pu rencontrer disaient, nous, on va continuer à se mobiliser. Déjà, ce n'est qu'un retrait provisoire de l'âge pivot. Nous sommes contre. C'est bien, mais ce n'est que provisoire. Et nous souhaitons le retrait pur et simple de cette réforme. C'est ce que ces manifestants nous ont dit depuis tout à l'heure, ceux qu'on a pu interroger. Et ils n'ont eu que faire, hein, finalement, des annonces du gouvernement. Édouard Philippe qui a écrit au syndicat. La CFDT et l'UNSA qui, eux, se sont dites satisfaites des annonces du gouvernement. Pour les autres syndicats, ceux qui étaient présents dans la mobilisation, il semble que ça ne change pas de position vu que c'est le retrait pur et simple de cette réforme qu'ils demandent. Donc ça ne répond pas à leur demande. On sait que notamment Force Ouvrière s'est dit inquiet suite à cette réponse d'Edouard Philippe. Et c'est ce à quoi ils s'attendaient, mais eux, ils souhaitent le retrait de cette réforme. Il y a la contestation notamment par rapport à la retraite à points. N'hésitez pas en tout cas à réagir dans les commentaires. Partagez ce live aussi, vous avez le bouton en bas à gauche pour partager ce direct.
En tout cas, pour ceux qui nous suivent actuellement, je vous dis aussi rendez-vous demain, on sera à Levallois. On va suivre la marche en hommage à Cédric Chouvia qui est décédé dimanche dernier, deux jours après un contrôle de police durant lequel il a fait un arrêt cardiaque et où donc une enquête a été ouverte. Et donc un hommage sera rendu en présence de sa famille, ce sera demain après-midi à Levallois-Perret et on suivra ça ensemble en direct sur Brut comme on a suivi cette mobilisation cet après-midi. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre encore une fois. Merci pour votre fidélité, votre présence qui nous est à chaque fois aussi précieuse pour pouvoir être sur le terrain motivé pour vous donner des images au cœur de ce qui se passe. Que ce soit des tensions, du cortège, des témoignages, on a tout eu aujourd'hui. On a rencontré des avocats, des professeurs, des manifestants, des gilets jaunes, des gens qui ne sont pas forcément syndiqués, des syndiqués qui nous ont aussi répondu à quelques-unes de nos questions, des gens de partis politiques aussi, des élus, Esther Benbassa notamment, je pense. On a essayé en tout cas du mieux possible depuis le début de cette manifestation de pouvoir vous montrer ce qui se passe ici. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Brut et à activer les notifications en live pour dès lors qu'on est en direct, vous avez la notif qui arrive sur votre téléphone portable ou sur Facebook depuis un ordinateur aussi, vous avez la notif qui arrive si vous êtes connecté directement à Facebook. Là, les forces de l'ordre qui reculent ici même. On va retourner au cœur de la place. Il y a les forces de l'ordre qui sont encore assez présentes. Il y a pas mal de manifestants encore sur la place. Ça se disperse quand même tout doucement. Il y a encore pas mal de monde ici. Et puis pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez mon compte qui est en description de ce live, Rémi Buzine. Et Twitter, Instagram, Rémi Buzine également. Vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux-là. Les deux comptes sont authentifiés avec la même orthographe que celle que vous avez en description de ce live. N'hésitez pas à me suivre également sur ces réseaux. J'essaie toujours de poster quelques images en complément du live. Et puis c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours, vos feedbacks, vos messages sur ces différentes plateformes. Les forces de l'ordre qui se mettent en position. C'est toujours un moment assez délicat, hein. C'est le moment où vous avez donc l'opération de dispersion et qui se déroule jamais, enfin très rarement sans tension. Hein. Donc vous reconnaissez hein, la statue de la place de la République. Merci à vous, merci Natacha, merci Chris, merci Dominique. Merci à tous ceux qui ont partagé et commenté ce direct depuis le début. N'hésitez pas à réagir. Je continuerai à lire vos commentaires, également vos réactions. J'ai interrogé des manifestants, mais j'ai aussi lu plusieurs centaines de vos commentaires. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette annonce du retrait provisoire de l'âge pivot. Satisfait ou pas? Qu'en pensez-vous? Vos réactions dans les commentaires et puis également sur cette mobilisation. Êtes-vous solidaire? Qu'est-ce qui vous dérange, vous, dans cette réforme des retraites? Vos réactions dans les commentaires. J'aurai l'occasion de lire dans les prochaines minutes encore quelques-uns de vos commentaires. Merci d'être avec nous. Place de la République, toujours en direct ici à Paris. On priorise les images sur le live et on va lire les commentaires un peu par la suite. Mais en tout cas, merci d'être avec nous sur cette place de la République à Paris. Vous voyez donc les forces de l'ordre qui sont en train d'investir le milieu de cette place de la République. Et qui sont très nombreux, hein, et qui, au fur et à mesure des minutes, vont finir par être plus nombreux que les manifestants. Vous avez qu'à demander pour moi. Vous avez que ça à foutre.
Voilà, tout doucement, le nombre de forces de l'ordre ici commence à être presque plus important que le nombre de manifestants. On voit une dispersion progressive, en tout cas, sur cette place de la République. Je vous disais, le cortège syndical, quant à lui, est arrivé. Une partie des manifestants, une grande partie des manifestants, s'est dispersée. Vous en avez encore quelques centaines qui se trouvent sur cette place, sans qu'il y ait de tension, d'affrontement direct avec les forces de l'ordre, en tout cas, sur ces dernières secondes, sur ces dernières minutes ici. Mais vous avez tout de même un dispositif important et une évacuation qui est en cours de cette place de la République avec un très très gros dispositif sur place. C'est Julien ? Voilà ce que vous allez voir, en tout cas c'est un nombre important de forces de l'ordre qui est très 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 important ici. Reporter. Voilà, merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de dev qui m'a suivi à l'oreillette toute la journée pour me soutenir techniquement. Merci aussi aux modérateurs qui ont dû avoir un gros travail, que ce soit sur YouTube ou Facebook, pour modérer les contenus, pour que ce soit un lieu d'échange agréable pour vous. Et puis, merci à tous les donateurs qui aujourd'hui se sont réveillés pour... Quittez les lieux, la manifestation est terminée, dispersez-vous. Une personne qui est en train d'interpeller à nouveau. Vous avez dit pourquoi là ? Faites gaffe ! C'est quoi le motif de l'arrestation ? La fracture du larynx, ça arrive vite hein. Ouais, ça arrive vite, les fractures du larynx. La flicaille ! La flicaille ! La flicaille ! Bande d'assassins ! On recule ! Cédric, hein. On recule, merci. On recule, merci. Voilà, plusieurs interpellations ici, il me semble deux interpellations ici. Deux personnes interpellées. Trois personnes interpellées même. Trois interpellations. Voilà, trois interpellations à l'instant. Ils sont au bon Rio ! Avance un pas ! Tout à l'heure, ils faisaient pas ça ! C'est quoi ce méthode ? Tout à l'heure, ils faisaient pas ça ! Tout à l'heure, on faisait pas ça ! Les CRS qui ici avancent en tapant dans leur bouclier, c'est ce bruit que vous entendez, regardez. Ouais.
la ligne. Éric. Si ça peut. Jusqu'à l'ombre.